métier de gestes ancestraux et d'outils centenaires, la bijouterie se tourne aussi vers l'avenir et intègre les techniques les plus novatrices, la CAO et la DAO, conception et dessin assisté par ordinateur. Les outils informatiques 3D apportent un souffle nouveau au dessin et à la réalisation de maquettes de bijoux. Ils donnent aussi naissance à un nouveau métier, concepteur 3D de pièces de bijouterie joaillerie. En plus des crayons, des pinceaux, du porte-scie et de la lime, on utilise aujourd'hui la souris, l'ordinateur et l'imprimante 3D. Précision, qualité des rendus, complexité des formes, fiabilité des cotes, variations infinies, le dessin en trois dimensions ouvre des perspectives jusqu'ici inconnues. Les fichiers générés peuvent être usinés et prototypés. L'imprimante 3D produit instantanément des prototypes en volume qui peuvent servir à la réalisation de moules pour la fonte de métal précieux. Demain, les imprimantes 3D pourront produire directement des bijoux en or. C'est la prochaine grande révolution du métier. Les outils numériques ne remplaceront jamais la créativité et la main de l'homme. Ils l'accompagnent vers des territoires inexplorés. En façonnant le métal précieux, le bijoutier va donner naissance au bijou. Comme dans la mode, certaines pièces sont fabriquées en grande série de manière semi-industrielle, tandis que d'autres sont produites sur mesure, entièrement à la main, et requièrent un savoir-faire et une expérience exceptionnelle. Métier d'art et de tradition, la bijouterie intègre aussi de nouvelles techniques, telles la soudure ou la découpe laser, qui font évoluer à la fois la formation dans les écoles, le geste de l'artisan et les possibilités de création des bijoux. Penché sur son établi, concentré, attentif, patient, le bijoutier façonne, scie, repousse, martèle, soude et ajuste le métal précieux jusqu'au résultat souhaité. La tradition n'a jamais autant de sens que lorsqu'elle accompagne la modernité pour servir la croissance d'un secteur économique en plein essor. Le sertisseur enchâsse et fixe les gemmes dans le métal précieux. Il veille à la fois à leur parfaite insertion et à l'optimisation de leur éclat. Le sertisseur maîtrise différentes techniques qu'il utilise en fonction du type de bijou et de l'effet recherché. Sertigriffe, sertigrain, serticlos ou encore sertirail, pour n'en citer que quelques-unes. Afin de le maintenir ou de le protéger, le bijou ou une partie du bijou peut être fixé dans la cire. Le sertisseur utilise du talc pour éteindre la luminosité des pierres et ainsi mieux voir le métal. La loupe binoculaire est utilisée pour les pierres de petite taille. Minutie, patience et concentration sont des qualités indispensables pour exercer ce métier. Comme dans tous les métiers de la bijouterie, le sertisseur n'est au sommet de son art qu'après plusieurs années de pratique. Le polisseur donne la vie au métal précieux en lui apportant le brillant, l'éclat, le reflet, la lumière. Suivant la valeur et la complexité du bijou, le travail du polisseur sur une pièce peut durer de quelques secondes à de longues heures. Pattes à polir de différents grains,
brosse plus ou moins dure montée sur un tour à vis, bâtonnets de buis, plumes, fils. Les outils sont nombreux et variés, adaptés à tous les métaux précieux et à toutes les formes de bijoux. Une fois son travail sur une pièce achevé, la satisfaction du polisseur est de tenir entre ses mains un bijou fini, brillant de tout son éclat, prêt à être glissé dans son écrin.